Malgré cette défaite aujourd'hui, Yon, quand même, vous avez fait un bel tournoi, belle année aujourd'hui. Oui, bon, l'année ne se termine pas aujourd'hui, j'espère, mais oui, c'est assez dur. Voilà, c'était ma première finale au Master à Bayonne, et on avait l'espoir, pourquoi pas, de remporter ce titre, mais dès les premiers points, on a vu qu'on a été pris par la vitesse de Bidono et de Louis. Donc, on a rien pu faire aujourd'hui pour gagner cette partie. Vous avez joué avec la... Pardon, voilà, vous avez remporté. Quand même, c'est celle-là qui vous manque. Vous avez remporté celle de Issassou aussi. Oui, je ne sais pas si c'est celui-là qui me manque, mais j'aimerais bien l'avoir, ça c'est sûr. Parce que bon, ça reste l'un des plus beaux tournois. On voit le trinquet qui est rempli. On rêve de jouer une partie comme ça. Et puis arriver en finale et pas trouver de solution, c'est assez frustrant. Donc voilà, aujourd'hui c'est comme ça. J'espère que j'aurai ma chance les autres années aussi et que je vais pouvoir essayer de gagner un jour ce titre. Juste quelques mots dans notre langue ici. Oui, Mileshker en tous les goussieriers, t'as l'acheté rarté. Mileshker, yo. Adio. Bravo, Luis. Cette année, c'était un peu dur. Là, ça fait du bien cette victoire aujourd'hui, surtout cette grand master ici à Bayonne. Oui, je ne peux pas demander plus, non? Une victoire sur les championnats de France en 2-2, super prestige. Maintenant, le master de Bayonne. Je pense que les trois retournent de l'année, donc je ne peux pas. Je ne peux pas demander plus, je suis très content. Depuis novembre que j'ai fait un bon travail, c'est vrai qu'après le championnat de France, j'ai eu quelques tournois où je n'ai pas trop bien performé, mais bon, c'est normal dans le sport. On sait qu'en travaillant, les résultats vont venir et c'est ce que je fais. J'ai oublié de vous demander déjà d'abord, comment ça va? Parce que vous étiez blessé. Bon, non. J'avais été blessé à l'été, non, dernière, mais après quand je suis revenu en forme pour le Super Prestige et après c'est tout est bien passé, c'est bien passé et voilà. Et maintenant c'est le moment de profiter de bon état de forme et continuer à travailler. Parlez-nous un peu de Vicente aussi, il a été énorme Vicente Bidondo. Oui, depuis longtemps il fait un travail énorme, non? Il a très bien démarré l'année en jouant en 2-2 avec Baptiste. Il a fait un travail énorme, même s'il n'a pas réussi à gagner, mais on sait qu'il est en très bon état de forme. Et s'il continue à travailler comme ça, on sait qu'il va se mettre dans les trois meilleurs devant.
Merci beaucoup. Non, merci. Bravo, félicitations Vicente. Quelle partie aujourd'hui, t'as été énorme. Ouais, merci Alassane. Ouais, franchement, ensemble, on a été très bons aujourd'hui. Avec Luis, on a fait une très bonne partie. On a d'entrée, on a très bien commencé, on a mis beaucoup de rythme. Je pense que d'entrée, on a pris une dizaine de points d'avance. Ça nous a mis en confiance. Eux, évidemment, ça leur a mis le doute d'entrée. Et vraiment, voilà, il fallait qu'ils bataillent pour nous faire le point. J'ai eu un petit moment de doute parce que c'est vrai qu'on faisait beaucoup de points d'entrée et dès qu'ils ont fait 2-3 points d'enfilée, même s'ils sont loin, ça met vite le doute. Mais voilà, Luis, il m'a vite mis dans le rythme. J'ai bien buté, je me suis toujours remis en confiance avec le but. Et je suis content, je suis fier de moi, fier de la partie qu'on a fait. Et voilà, c'est énorme d'avoir gagné le Master, c'est énorme. Merci beaucoup. Merci Alassane.